Eh bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, j'espère que vous allez bien. La semaine redémarre par Heavy Rain. On l'entend à la musique. J'espère que pour vous ça va. Et voyons voir ce qui nous attend cette semaine. C'est plutôt du classique. Il n'y a pas trop d'innovation, c'est les séries habituelles, les émissions habituelles avec Heavy Rain, demain Wreckfest, jeudi Crusader Kings, vendredi le derby et dimanche le club pro. Donc il n'y a pas de grosse surprise, on reste sur des classiques et un programme habituel. Ce matin, c'est la suite de l'aventure Heavy Rain. On avait plutôt bien avancé. Faut que je recheck un petit peu les chapitres qu'on avait fait. Je charge tout ça. On a fait tout ça, le psy. On a fait l'épreuve du lézard. On a fait l'épreuve d'Ethan du lézard. Où il faut se sacrifier. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils? Et êtes-vous prêt à vous sacrifier pour sauver votre fils? On a coupé un doigt pour obtenir des lettres supplémentaires dans l'adresse. L'adresse du puits où Sean Mars est retenu. C'est terrible. Salut Marie, ouais la météo, on dirait la météo IRL. Hein. Il pleut pendant tout le jeu, quasiment parce que au début du jeu il fait beau, mais il y a des sales histoires qui se passent, donc je sais pas trop ce que je préfère, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un jeu de dépressif, hein, parce que Ethan il est au fond, hein. Et il utilise ses dernières ressources, sa dernière énergie. Pour sauver son fils, et c'est ça qui est beau, qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amour. Et là Ethan est prêt à faire beaucoup beaucoup de choses pour son fils. C'est tropico, ouais non. Là il fait froid en plus, tropico, c'est la pluie tropicale, c'est plus agréable. Allez, on va continuer. On continue l'aventure avec Madison Page. Et je crois me souvenir où c'est qu'on va redémarrer. Ah oui. Parce que Norman Jaden et Carter Blake pensent que Ethan Mars est le tueur aux origami, surtout la déduction de Blake. Patrouille a repéré sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? On sait rien. C'est vous, Profiler, non? Je croyais que vous étiez dans la tête du tueur. Justement. Ce que je sais, l'état de Mars ne colle pas avec le profil psychologique du tueur. Je sais ce que les jurés choisiront entre vos théories et les preuves concrètes. C'est qui cette fille? Mars sort maintenant, elle va tomber en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? On la fait dégager? La traque. Avec ces deux écrans à surveiller, c'est trop trop bien. La police. Ils sont en planque devant l'immeuble où est entré Ethan.
Les flics ne me connaissent pas. Je pourrais entrer dans l'immeuble sans me faire remarquer. Rentre dans l'immeuble. Tu l'habites là ? Mal. J'aime autant n'avoir personne dans les pattes pour Marseille. Ethan, mais qu'est-ce qui s'est passé ? La police. Ils sont dehors. Ils vous attendent pour vous arrêter. Il faut qu'on trouve un autre moyen de sortir. Il est KO, Ethan. Normal. Merde. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que je fouille ce hall. Et il y a forcément une autre issue. Voilà, je me souviens plus. Ils sont toujours là. Il faut trouver une autre sortie. Aïe 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 aïe. Si je loupe mes QTE maintenant. Ça va être compliqué d'échapper à la police. Allez, mange-toi. Là, il y a un bloc là. Allez. À mon signal, on y va. Aïe aïe aïe. C'est hors de question. Je viens avec vous. Deux gars bloquent l'entrée. Les autres, restez à vos postes. C'est parti. Viens là, nom de Dieu. Je vais jamais réussir à m'échapper. Mais allons-y, on sait même pas ouvrir une fenêtre. Venez, on va essayer par ici. Allez, Ethan, nom de Dieu. On s'échappe. On sait qu'on n'est pas le tueur aux origami. On va pas se faire arrêter maintenant. On a d'autres épreuves et d'autres lettres à récupérer. Vite, il faut qu'on se tire d'ici. On a peut-être encore une chance. C'est la fille qui est rentrée. Tout le monde descend. Ils sont en train de se barrer par la ruelle. Poursuivez-les. Allez, notre Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'aide un fugitif poursuivi par la police. Je suis complètement cinglée. Les flics sont à nos trousses. Cette fois, on est foutus. Allez, le métro. La bouche de métro de l'autre côté de la rue. C'est notre seule chance. Ah ouais, il a peur du monde en plus. Oh là là, ça va être compliqué. Il est prostré, Ethan, il fout rien. Ouais, les choix à faire sont très très compliqués. Ça va très très vite. Et après, il est prostré. T'as vu tout ce qu'il a subi ? Il a rampé sur du verre pilé, il s'est coupé un doigt. Enfin, c'est chaud. Hein. Il est trop dans le mal. Ils arrivent de partout. Ils vont essayer de nous cerner. On va passer par là. Les voix. C'est la seule issue possible. Vite ! Oh non. Carter qui arrive. Attention. Poussez où ? Pauvre con. Vite.
Il est où le métro là? On va descendre sur les voies, mais on est malade! Faut jamais faire ça! On va mourir. Voilà. Vite, 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 vite! Putain, nom de Dieu! Ah! On a échappé à Norman et Blake. On est fugitif avec Ethan Mars. Il y a moins d'une heure, les services de police ont annoncé avoir enfin réussi à identifier le tueur aux origami. Ethan Mars, le père du petit Sean Mars, est actuellement en fuite. Il est par ailleurs considéré comme armé et dangereux. La chasse à l'homme est désormais lancée et la police devrait bientôt annoncer l'arrestation de ce déséquilibré qui a tant effrayé la... Est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'on jouerait le tueur depuis le début? Est-ce qu'on est en train de sauver le tueur sans faire exprès? C'est ça le truc, c'est ça le jeu, il joue avec ta psychologie. Je savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai pris un peu de tout. J'espère que ça ira. Et comme il a des absences, on peut pas être sûr que c'est lui ou c'est pas lui. Pourquoi vous m'aidez, Madissa? Ça bientôt. Vous ne savez rien de moi. Vous auriez pu vous faire tuer. J'en sais rien, j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai juste fait ce que je pensais devoir faire. Vous aviez besoin d'aide, je vous ai aidé. Vous passez en boucle sur toutes les chaînes de télé. Tous les flics du pays sont à votre recherche. Ils disent que vous êtes le tueur aux origami. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes le tueur, Ethan? Bah, en vrai, on sait pas. S'il vous plaît, Madison, arrêtez de poser des questions. Il vaut mieux que vous ne sachiez rien. C'est à moi d'en décider. Pourquoi sont-ils après vous, Ethan? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rien fait. Je te le dis. J'ai plus le choix de répondre là. Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore totalement ce que je fais. Comme s'il y avait deux personnalités en moi. Tout ce dont je me souviens... Ce sont des corps. Des corps dans l'eau. Pourquoi revenez-vous en sang, Ethan? Pourquoi étiez-vous dans cet appartement? Mon autre moi m'impose des épreuves. Il cherche à tester mon amour pour Shaul. Il veut savoir si j'aime suffisamment mon fils pour le sauver. L'endroit où se trouve Shaul est quelque part dans ma tête. Mais le seul moyen d'y accéder est de suivre les épreuves. Pourquoi ne pas raconter tout ça à la police? Pour leur dire quoi? Que je suis un schizophrène qui noie ses victimes et a kidnappé son propre fils? Jamais ils me croiront. Je dois rester libre jusqu'à ce que j'ai sauvé Shaul. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis sa seule chance. Quand j'aurai retrouvé mon fils, j'irai me rendre à la police. Mais pas avant. Désolé. Vous n'allez pas tenir longtemps, Ethan. Vous êtes en train de vous détruire. La seule chose qui compte, c'est de retrouver mon fils. Il doit y avoir un autre moyen. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas le temps. Dans quelques heures, Shaun sera mort. Je n'ai pas d'autre choix. Partez, Madison. Partez. Et oubliez ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour moi. Si vous voulez m'aider, Madison... Alors allez-vous-en.
Donc même Ethan est persuadé d'être le tueur. Se pense schizophrène. La boîte. Je dois ouvrir un autre origami. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois retrouver mon fils avant qu'il soit trop tard. Je vais te retrouver, Sean. Je te le promets. Alors, on a fait preuve de courage, on a souffert, on a fait des sacrifices. C'est quoi la prochaine épreuve? Êtes-vous prêt à tuer quelqu'un pour sauver votre fils? Tuez-le, envoyez une photo, vous aurez la récompense. Non mais là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Si on se fait arrêter avec un flingue en plus, c'est encore pire. Ah, c'est pas trop dur. Dur là. Pas mal, hein? Votre cocktail, monsieur. Merci. Si je puis me permettre, vous avez l'air préoccupé, monsieur. Des soucis dans votre enquête? Blake est persuadé de la culpabilité de Mars. Pas vous. Il m'a semblé qu'il existait pourtant des preuves tangibles. C'est vrai? Mais rien ne colle. Le profil psychologique ne correspond pas, la géolocalisation non plus. Et puis, je ne vois pas ce père noyer 8 victimes avant de kidnapper son propre gosse. Mars n'est pas le tueur aux origamis. J'en mettrai ma main à couper. Qui alors? J'en ai pas la moindre foutue idée. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Allez. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. J'essaie de me contrôler, mais... ça devient difficile. De plus en plus difficile. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Ouais. Faut arrêter la drogue, monsieur Jayden. Bon, je passe en revue l'épreuve ou quoi? Dans le fameux bureau sur Mars. Donc, est-ce que c'est bien Ethan ou pas? On va essayer de revoir tous les indices. Tiens, tiens, on dirait qu'il y a du neuf. L'enregistrement du carrefour près du square où Sean Mars a disparu. J'avais à tout hasard demandé la vidéo au moment de la disparition. Je doute qu'il y ait quelque chose à en tirer, mais on ne sait jamais. Donc on cherchait une Ford. Qui n'est pas celle de Mars. Une Chevrolet du modèle correspondant aux empreintes Chevrolet. De pneus est passée à 16h02 en direction du square, repartie dans la direction opposée à 16h37. Ça pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Sean Mars. Est-ce que ce serait la voiture du tueur? Probablement. Pas d'analyse data. Ok.
Du coup, les traces de pneus, est-ce qu'on peut les revoir? Ça nous avait donné le modèle de la voiture, donc on a le modèle de la voiture. Maintenant. Dommage qu'on ne voit pas le visage du conducteur. Mais on va peut-être en savoir plus sur les plaques ou sur quelque chose. Une voiture volée, évidemment. Un certain Jackson Neville a été suspecté, mais les charges ont été abandonnées, faute de preuves. Ok. Ah bah attends, non, on a les indices de Jackson Neville. Qui viennent d'apparaître. Faut vraiment rien oublier. Si j'oublie un truc, on peut vraiment passer à côté de l'enquête. Hein. Parce qu'il y a plusieurs fins possibles, donc on peut vraiment louper son enquête. Jackson Neville, connu sous le surnom de Mad Jack. Impliqué dans plusieurs affaires de recel et trafic de véhicules, considéré comme très dangereux. Ce type a peut-être fourni sa voiture au tueur. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. T'es mauvais, Jack. Ah, putain. Non. La crise. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. Il perd la notion de la réalité. Ça recommence. De la tryptocaïne. Le tube est sur la table de chevet. Juste un peu pour ne plus avoir mal. Il faut que je résiste. Je vais finir par y rester. Je sais que je peux résister. Je dois juste garder le contrôle et m'occuper l'esprit jusqu'à ce que ça passe. Allez, nom de Dieu. De l'autre visage. En général, ça marche bien. Je veux pas de la vodka, moi. Oh là là, le déchet. Et ça, le FBI. Ouais, mais là, c'était, il avait une pleine crise, obligé d'habiller. J'ai pas pris le temps de me déshabiller. En fait. Pour spoil un petit peu, dans les fins possibles, si on rate son sevrage avec la drogue, on peut en mourir. On peut vraiment en mourir. C'est ce qui m'est arrivé dans une des parties que j'avais fait au début du jeu. C'est-à-dire pour calmer les crises, tu prends ton tube. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devient trop grave. Manfred, antique. Enquête de Scott Shelby, le détective privé, avec Lorraine. Manfred ? Manfred ? Y'a quelqu'un ? Personne dans le magasin. Y'a peut-être quelqu'un dans l'arrière-boutique ? Bizarre, cette rencontre avec Charles Kramer au club de golf. Ah, mais il est là.
Je me demande pourquoi il s'inquiète tant de mon enquête sur son fils. Salut, Manfred. Qui est là? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi? Scott. Oh, Scott. Oh, oui, bien sûr. Oh, oh, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps? Oh, une dizaine d'années, je suppose. Oh, à mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare des horloges, mais j'essaie d'oublier le temps. Et toi, comment ça va? Toujours dans la police? Oh, non, j'ai raccroché. Je suis détective privé maintenant. Voici Lorraine, mon associé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh, Scott, ça alors, il faut qu'on fête ça. Je dois avoir... Attends, bouge pas. Mais j'ai justement une bouteille de scotch quelque part. J'attendais l'occasion de l'ouvrir. Oh bah ça va lui faire du mal, ça, il est trop vieux. Rien n'a changé ici. La poussière et le... Sois gentil, Scott. Tu veux bien aller répondre et demander de rappeler cet après-midi? Bien sûr, j'y vais. Bah, je suis pas chez moi. Bonjour. Oui, vous êtes chez Manfred. Mais il n'est pas disponible. Vous voulez bien rappeler cet après-midi? Merci. Super. Tout ça pour boire du whisky, il raccroche à la gueule de ses clients. Allez, à nos retrouvailles. C'est Ferguson. De ouf. Tellement. Oh, il a pris un coup, Ferguson, quand même. J'aurais voulu que tu jettes un œil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qui a tapé l'adresse. Voyons ça. Ah ouais. Bien aller me chercher la loupe qui est juste derrière le comptoir. Bien sûr, j'y vais. Mes yeux ont tendance à me trahir ces temps-ci. La loupe. Où est la loupe? Ah ouais, Ferguson à Tottenham, ça aurait donné ça. Ouais, Everton, ça compte aussi. Allez, tiens, t'as déjà des lunettes, tu veux une loupe? T'es un peu taré, toi. Merci. Voilà, voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Une Royal 5. Oui, la forme des D et des F est typique de cette machine à écrire. Produite entre 1907 et 1924. Et aucun doute, c'est bien une Royal 5. Les machines à écrire, elles sont rares? Non, non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays, la plupart dans des caves. Ou des greniers. Il y a beaucoup d'endroits où on peut faire réparer ce genre de machine. J'ai pu acheter le stock complet de pièces détachées du fabricant pour une misère, en 1964. Ils allaient tout foutre à la ferraille, alors c'est moi qui ai tout repris. Tous les types du coin qui en ont une en état de marche sont obligatoirement passés par ici à un moment ou à un autre. C'est bon à savoir. Tu gardes une trace de tes clients? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un œil? Oui, bien sûr. Je garde tous mes livres de compte dans le bureau. Si tu n'es pas trop pressé, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une Royal 5 ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider, donne-moi deux minutes.
et je reviens avec la C'est hyper intéressant parce que la lettre envoyée au tueur a donc été tapée à la machine à écrire avec une Royal 5 qui est forcément passée par là. Donc là, le tueur est passé par ici. Ça se rapproche, ouais. Des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de Manfred pour la réparer. On verra quand on aura la liste. Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Lorraine croit qu'on est sur le point de retrouver le tueur. J'ai peur qu'elle soit déçue. Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Il n'a pas fait une crise cardiaque. Hein. Allô ? Manfred ? Allô ? J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Ah ! Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur ? Allô ? Il a appelé les flics ! Manfred ! Oh mon Dieu. Il est mort. Oh, merde. Pauvre Manfred. Il méritait pas de finir comme ça. Scott ? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a rien à voir avec sa mort. On était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Surveillez l'entrée, je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Mieux vaut faire vite. La police va pas tarder. Faut faire vite, Lorraine. Quelqu'un pourrait entrer d'un moment à l'autre dans la boutique. Ce sont les types de compte de Manfred. Il devait rechercher les propriétaires de Royal quand il a été tué. Laissez tomber, il faut qu'on se sert d'ici vite fait. Mais allez, notre dieu, on a la musique stressante et toi t'es par terre là. Alors, les empreintes. Je me souviens plus. Le téléphone. Qu'est-ce que j'ai touché d'autre? Des bouteilles de whisky, ça c'est sûr. Oh là là, c'était quel verre, celui-là? Je sais pas. La bouteille, je l'ai pas touchée. Mais dans le doute, je me suis peut-être trompé de verre. On va essayer l'autre. L'autre, c'est celui de Manfred, donc c'est pas grave. La bouteille, pas besoin. Lorraine, elle a touché ça. Et je crois que c'est tout. La loupe. Elle est où? Je pense qu'on est bon. Qu'est-ce qu'on a touché? Faut que je me rappelle. Vite. Vite. Il faut que je retrouve tout ce... Scott, vous en avez encore pour longtemps? La police va arriver d'une seconde à l'autre. J'ai presque terminé. Les verres, le téléphone, qu'est-ce qu'on a touché d'autre? On a touché le téléphone? Ah oui, mais oui. Non. J'ai touché le téléphone, là. Oh là là, heureusement que j'ai eu quelques petits indices. Manfred! On l'a pas touché, Manfred? Non. Ne pas oublier non plus d'effacer les empreintes de Lorraine. Ah, mais elle touche à tout! C'est bon, on peut partir. Vous avez effacé toutes les empreintes? Bah, on va dire oui, mais je suis pas convaincu.
J'ai fait de mon mieux. Ça devrait suffire pour qu'on puisse pas nous retrouver. Allez, on s'en va. Je sais pas si on a oublié un truc. Eh ouais. Le zoom vers cette zone, ça veut dire que j'ai pas effacé cette zone. Ouais. On s'est fait choper. Alors, la victime aurait été assassinée pendant que vous étiez dans son magasin. Bien ça ? Oui, Manfred est allé chercher quelque chose. On s'est fait choper. Après quelques minutes, je suis allé voir si tout allait bien. Et c'est là que je l'ai trouvé. On perd du temps précieux. Vous auriez dû appeler la police, monsieur Shelby. Vous seriez évité des ennuis inutiles. Écoutez, on n'a rien à voir avec ce meurtre. On était là par hasard. J'ai juste voulu m'éviter d'expliquer pendant des heures à un officier de police que je savais rien, c'est tout. Ne quittez pas la ville sans nous prévenir, monsieur Shelby. Tâchez d'être plus prudent à l'avenir si vous avez besoin d'interroger les cadavres. Ok. Donc ça, c'est des petits épisodes qui sont rajoutés. Ça alors, Scott Shelby. Encore des soucis ? Ouais, mauvais endroit, mauvais moment. Tu sais ce que c'est. Ne mille pas. Je vais m'en occuper. Souvenir du bon vieux temps. Merci, Carter. Je t'en voudrais ça. Et sur quelque chose en ce moment ? Disons que j'ai quelques idées, mais rien de concret. Jamais ça devenait plus que des idées. On en parlerait, n'est-ce pas ? Évidemment. Donc Shelby et Carter se connaissent. Ils connaissent bien, même, apparemment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous ramène chez vous. Ça devient trop dangereux. C'est hors de question. Nous avons fait un marché. Vous vous rappelez ? Écoutez, Lauren, je comprends que vous vouliez retrouver le tueur. Mais vous m'aiderez pas en vous mettant en danger. Je suis pas une gamine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. Ah là là. Eh ben vous cherchez le tueur sans moi. Je refuse d'être responsable si les choses tournent mal. Arrêtez cette voiture. Quoi ? Arrêtez cette putain de voiture ! Non mais t'es malade ! On a perdu le contrôle. Si vous pouvez pas m'aider à trouver le salaud caché mon Johnny, je me débrouillerai toute seule. C'est le clash. Oh là là. Je me suis comporté comme un idiot. Je ferais mieux de le rattraper. Merde, j'ai pas le choix. C'est pour la protéger que je fais ça. Lauren ! Reste pas dehors, tu vas attraper froid.
perds pas le nord. Ah, quand même. Êtes-vous prêt à tuer pour sauver votre fils? C'est la quatrième épreuve, et c'est peut-être la plus dure. Chez moi. Si t'en veux. Tiens. Hey. Attends, mec. Cool. Est-ce que tu veux? Faut qu'on le bute. La cam? Fric? Dis-moi ce qu'il te faut. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Oh merde. Oh merde. Je vais prendre une balle. Eux apparaissent tellement vite. Attends, non. Je te filerai tout ce que tu veux. J'ai du fric. J'ai de la cam. Tu veux de la cam? Ouais, je veux de la cam. Tu peux, mec. J'ai deux gamines. Voilà, c'est carte sensible. Sarah. Et là, c'est Cindy. La petite. S'il te plaît. Je veux les voir grandir. Me bute pas. Je t'en supplie. Moi aussi, j'ai un fils. Je n'ai pas le choix. Ah. C'est ça l'épreuve. Êtes-vous prêt à tuer pour sauver votre fils? Et du coup, on a un indice supplémentaire. Ah ouais, là j'ai de l'ADN partout. De toute façon, je suis recherché. On a quasiment toutes les lettres. Bon, sur l'adresse, on se doute bien que le nom de la rue, c'est Roosevelt. Mais on n'a pas les numéros de la rue. Et aux States, une rue, ça fait 15 km. Ouais, bah Cindy, ça dégage. Hein. Ouais.
Succès déverrouillé, je suis un tueur. J'ai fait le choix. On n'est pas obligé de faire les épreuves dans ce sens-là, mais là, je le joue coûte que coûte pour avoir l'adresse. Ça m'est déjà arrivé de finir le jeu sans l'adresse, c'est possible aussi. Mais il faut arrêter le tueur d'une autre manière. Soit avec Norman, soit avec Madison, soit avec Scott. J'ai trouvé l'enseignement que tu m'as demandé. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce et des camés. Avec son pactole, il s'est acheté quelques apparts dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je te revaudrai ça. Et Mad, sois prudente, ok? Compte sur moi, je te rappelle. Donc on va voir, soi-disant, la petite enquête de Madison. Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai. Salut. On m'a dit que vous vendiez du bétropène. Sans ordonnance. Désolé, je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Comme ça, tu cherches du bétropène, ma chérie. Des problèmes pour dormir? Combien il t'en faut? Je sais pas, 3 ou 4 boîtes. Je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre? J'allais m'en servir un. Bonsoir, non. Merci, non. La cam et l'alcool, ça va ensemble, non? Et puis, il faut qu'on trinque à notre premier deal. Oula. Oula la 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 la. Je suis pas serein. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi? C'est un type dans une soirée. Il avait du bétropène. Il m'a dit qu'il l'avait trouvé chez vous. On va pas être trop direct dans les questions, vous sinon... Vous pouvez avoir n'importe quoi comme médicament? Tout ce qui s'achète a un prix, ma belle. Et toi, est-ce que t'as un prix? Waouh. C'est sûr. Tomber. Je suis pas à vendre. T'es sûr? Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street. Ah mais elle pose des questions, c'est cramé direct, ça se voit là, mais oui. Tu peux pas poser des questions comme ça, c'est trop dangereux. C'est pas du tout discret. Ma corde. Tu ne bois pas? Non, j'ai pas confiance. En fait, j'ai pas très soif. Il y a trop de zoom sur le verre, on l'a pas vu servir ce qu'il y avait dedans. Bon, je vais chercher ce qu'il te faut. Attends-moi sagement ici. Je serai pas long. Ouh, ce type me colle la chair de poule. Vite, jetez un œil pour voir si je trouve quelque chose avant qu'il revienne. C'est tellement... Faut jamais faire ça, les gens. Il va revenir tout nu, mais oui, tellement... Je dirais que le doc s'intéresse à l'immobilier, entre autres choses. Sa chambre. Je trouverai peut-être quelque chose dans sa chambre. C'est tellement risqué de faire ça. On va trouver des trucs pas très nets. Le lit, il va coller.
Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est parti chercher les médicaments dans la pièce au fond du couloir. Des blouses de chirurgien. Je me demande pourquoi il les garde. Il n'est pas prêt de réopérer. Sûrement un nostalgique. Oh, j'ai eu peur quand le miroir a réapparu. Est-ce que le doc pourrait être le tueur aux origamis? Il a le physique de l'emploi, en tout cas. Il a eu l'air contrarié que je ne boive pas. Je crois que j'ai bien fait. Tu vas me rasseoir et faire genre? Je pourrais jeter un rapide coup d'œil derrière ces portes. Et s'il me surprend, je trouverai bien une excuse bidon. Ouais, la salle de bain, ça va. On dirait que je suis allé aux toilettes. Vite, il faut que je trouve quelque chose. Surtout ne pas faire de bruit. Il est pas loin. Y'a pas des trucs là? Oh, je me casse. Alors, c'est la première fois. Je vais vous dire la vérité, peut-être pour ceux qui connaissent le jeu déjà. C'est la première fois que je découvre le fait qu'on peut s'échapper de la maison. Parce que non seulement le verre était empoisonné, mais si on reste trop dans la maison, on se fait assommer, ligoté au sous-sol, et il veut nous trancher la tronçonneuse. Voilà. On a évité ça. Ça aurait peut-être été marrant que je vous le montre, mais j'ai réussi à m'échapper. Je préfère, parce qu'on peut mourir dans cet épisode. Il y a beaucoup d'épisodes où à partir de maintenant, les personnages peuvent disparaître. Parce que le jeu commence à s'accélérer, on arrive vers la fin. Et si on perd les personnages maintenant, on amène dans la tombe tous les indices sur le tueur aux origami. Et donc, quasiment aucune chance de pouvoir retrouver le tueur. Si Madison meurt, encore ça va, elle a pas trop d'infos. Si Scott meurt, il a beaucoup d'infos. Jayden, il a pas mal d'infos. Et Ethan, s'il meurt, il peut pas sauver son fils. Donc là, ça va être chaud là. Allez, on va interroger Mad Max. Non, c'est pas Mad Max, c'est Mad Jack. La ville a été soupçonnée dans le vol de la voiture que je recherche. Ça vaut le coup de lui poser quelques questions. Hé, hey, vous Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que tu veux, là? Norman Jaden, FBI. FBI, mais bah, tu te balades ou quoi? Ouais. Il parle comme ça, un peu. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleue. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduit. Désolé, je dis rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Ah, j'avoue, il est chaud, hein, il est costaud. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui l'avez vendue, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok? Vos menaces à la con n'impressionnent pas. Il est stock, hein? Waouh! Maintenant dégagé, il parle comme ça au FBI? Non, mais t'es malade ou quoi? Je vais te faire la peau, moi! Le tube de tryptocaïne, il est dans ma poche. Non, 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 prends pas de drogue maintenant, c'est pas le moment. Oula, c'est quoi ça? Du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici? Pourquoi il y a du sang ici? D'accord, les traces de sang vont vers là. Les traces de sang mènent vers le bac d'acide. Ah! Trop de trucs là. Il y a beaucoup de sang, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de sang.
Les empreintes de Mad Jack. Rien d'étonnant, il crache ici. Terence Moffi, mais oui, c'est lui. Bon, moi je prends tous les indices, pointure, je prends ses empreintes. Probablement un visiteur. Je prends les pointures des chaussures. Eh, hey, les pointures 42, il n'y avait pas une pointure 42 sur le terrain vague au tout début dans la première enquête. Trace de pneus, est-ce que ce serait pas la Chevrolet? C'est pas la voiture que je cherche. Pointure 45. Sûrement la pointure de Mad Jack. Ah ouais, Mad Jack fait du 45, faut pas prendre un coup de pied. Hein. Mais non. Et de l'origami. Ah oui, commentaire. Ah non. Trace diffuse de pollen d'orchidée à l'intérieur du garage. Alors ça, c'est une énorme preuve. Il y a de l'orchidée ici. Sachant que le tueur met des orchidées. La même marque de pneus que la voiture que je recherche. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar? Ah ben c'est sûr maintenant. On a les marques de pneus, l'orchidée. Salut Jérôme. C'est John Coffey aussi, ouais, exact. C'est John Coffey. Attends, il y a de l'orchidée, il y a une pointure 42 et il y a des traces de sang plus les traces de la voiture. On a tous les indices là. Et là, juste, je peux aller voir jusqu'où va ces traces de sang. Ah! Il tue des gens, le monsieur là. Ah ouais, ok, d'accord. C'est un malade. Mets tes mains sur la tête. De la chance, j'ai pas le temps de m'amuser. Devoir régler ça rapidement. Bah, il tue les flics, il en a rien à foutre lui. Tiens! Oh, ça va être chaud. Oh, mais il est trop fort. J'ai perdu mes lunettes. Oh là va. Non, c'est trop dur les QTE. J'arrive pas à lui faire mal en fait. Oui, le gun. Assez joué. Maintenant tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue. Va te faire foutre, tocard. Wow. Va te faire foutre, Volka. J'ai pas de temps à perdre, Jack. Je veux savoir à qui appartient cette bagnole. J'en ai rien à secouer de tes salades. Je suis pas une balance, mec. Alors coffre-moi et qu'on en finisse. Je suis pas une balance. Je tape. On peut le cogner? Ouais. Espèce d'enfoiré, tu m'as pété le nez. Tiens. C'est ta putain de cervelle que je vais exploser si tu me dis pas ce que je veux savoir. Tu crois peut-être... que tu me fais peur, t'oseras jamais tirer. Ah ouais? Une balle dans l'essence, et on va avoir un joli feu d'artifice, Jack. Eh, hey, tu déconnes, tu vas pas faire ça, hein? On dira que c'était un accident, d'accord? Enfin, moi je le dirai, parce que toi, tu pourras plus vraiment parler, hein, Jack? Claire, t'es un putain de taré, t'es complètement cinglé ou quoi? C'est toi le cinglé. C'est rien sur ce type. Il voulait que je le débarrasse de sa caisse sans laisser de traces. Et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash. J'ai pas posé de questions. Je vais prévenir un certain Paco dans un club qui s'appelle le Goulagoon quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que... Non! Tout ce que tu diras pourra être retenu. Hey. On dirait que t'as un problème, mec. Non,
faut que je prenne ma dose. Je suis obligé, non? J'ai pris ma dose. Retournez-vous. Je suis totalement drogué. Et on l'embarque. Alors je connaissais pas cette scène non plus. Je redécouvre. Pour moi, on était obligé de se faire... on peut se faire capturer par Jack. Si on prend pas la dose de drogue, on se retrouve attaché dans une voiture qui va se faire écraser et on peut mourir. Ça m'est déjà arrivé d'avoir perdu Jayden à ce moment du jeu. À ma première partie, Jayden était mort. Vous pensez que c'est le tueur aux origami qui a tué l'antiquaire ? Ça me semble plausible. Vous voulez sûrement l'empêcher de parler. Vous croyez que Gordy Kramer en est capable ? Lui ou un de ses hommes de main ? Gordy a le temps et les moyens. Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses. Ça n'en fait pas un coupable pour autant, mais... ça en fait au moins un suspect. Ce sont vos dossiers sur l'enquête ? Oui, ça fait 2 ans que je suis sur cette affaire. J'ai amassé pas mal de paperasses. Des magazines sur les origamis. Vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue ? S'il s'est intéressé aux origamis ces 30 dernières années, son nom est sur cette liste. Sauf qu'il y a plus de 500 noms là-dedans. Ça nous avance pas beaucoup. Je meurs de faim. Vous avez quelque chose à manger ? Je suis pas un cordon bleu, mais je peux vous faire des œufs brouillés si ça vous dit. Très bien. Je suis trempée, j'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça vous embête si je prends une douche ? Je vous en prie. La salle de bain est à côté de ma chambre. Je vais préparer les œufs pendant ce temps. On va préparer le bouillon. Je sais même plus où elle est la cuisine là, non ? Voilà. Salut Jérôme. On va faire des œufs. Tac. Putain, ouais, la bière de la dernière fois doit être dégueulasse. Scotch et Chevest. Ouais, je sais pas. Tu m'as fait bouffer ces œufs. Regarde ça. Ils sont même pas cuits. C'est pas cuit là. C'est horrible. Ah oui, il faut allumer le gaz. Et tac. Voilà, bien assaisonné, c'est comme ça. Pauvre Manfred. On venait à peine de trinquer à nos retrouvailles. On peut pas dire que ça lui a rapporté bonheur. Il serait peut-être encore si j'avais pas quelques relations. C'est cuit là. Les œufs doivent être assez cuits maintenant. Ça m'a fait drôle de revoir Carter après toutes ces années. Il n'a pas changé. Toujours aussi tordu. Décidément, cette fille a du cran. Allez. J'avoue, c'est une strat intéressante. Pour avoir un petit peu moins de vaisselle. Tac. Hop. Oh là là, comment c'est... J'espère qu'elle aime les briques. Bon, je vais la chercher dans la douche ou pas ? Ça se fait pas trop, mais bon. Je dirais que c'est pour... C'est pour pas que ça refroidisse. Ah bah non, merde. Elle est déjà habillée. Chier. Je me suis permis d'emprunter votre peignoir. Bah vas-y, fais comme chez toi, comme en fait. Chez vous. Bah oui. Et moi, je mange pas. Alors, est-ce que c'est bon ? Allez, goûte. Vous vous êtes débrouillé comme un chef, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est ? Le calepin que j'ai pris chez Manfred. D'après ce qui est écrit, une 30aine de clients auraient acheté des pièces détachées de Royal ces 10 dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux.
Vous savez, aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps, ça risque de prendre du temps. Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours. Oui, oui, mais attendez. Mais j'ai fait des œufs. Non mais bouffe, nom de Dieu. Après, c'est pas con son idée. Si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire royale et qu'il a été abonné à un magazine sur les origamis, son nom doit se trouver sur les deux listes. Enfin, ouais, oui, en théorie, c'est possible. Enfin, je suppose. Son nom est là, quelque part. Aidez-moi, on va vérifier. Allez, on cherche. Mais les œufs, j'ai fait des œufs, t'es en train de les gaspiller, nom de Dieu. On a trouvé! Oh, le seul suspect figurant sur les deux listes est mort à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort? Je sais que ça n'a aucun sens. À moins que le tueur utilise son nom. Pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort depuis 30 ans? C'est ce qu'on est venu découvrir. Son nom est John Shepard. Sa tombe doit être quelque part par là. Vous n'abandonnez jamais, hein? John Shepard. Bon, alors, on cherche la tombe de John Shepard. Voilà qu'il s'est mis en tête qu'elle était sur une piste. On est juste en train de perdre notre temps dans ce foutu cimetière. Ah ouais? Je devrais être en train d'enquêter sur Gordy Kramer et je me retrouve dans un cimetière sous la pluie à chercher la tombe d'un gamin mort depuis 30 ans. Il a pas l'air convaincu. Foutu pluie. Je suis déjà trempé jusqu'aux os. Je me rappelle aussi, Anto. Excusez-moi. Je suis à la recherche de la tombe d'un dénommé John Shepard. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un enfant décédé il y a une trentaine d'années. Les enfants, c'est le lot d'à côté. Merci. Le lot d'à côté? En tout cas, on peut pas lui enlever une chose. Cette fille est déterminée. Je déteste les cimetières. Ces endroits me collent le bourdon. Plus vite on trouvera cette tombe, plus vite on pourra se tirer d'ici. Carré des enfants. Ok, j'y suis. Y'a un mec qui creuse. Cette fille est une vraie tête de mule. Impossible de la raisonner. Excusez-moi. Je cherche la tombe d'un petit garçon du nom de John Shepard. Dans cette allée, un peu plus loin. Merci. Ah, Lauren, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Par contre, il y a un origami, on est d'accord. Donc il y a bien un lien, elle est pas conne, Lorraine. Les origamis. Ça, c'est une sacrée coïncidence. Les fleurs sont récentes. On dirait que quelqu'un entretient encore la tombe. Un pauvre gosse. Il est bien connu, ce gamin. Vous connaissiez John Shepard? J'ai travaillé dans ce cimetière presque toute ma vie. Je me souviens de ce qui s'est passé. C'était en 1977, en octobre, je crois. Ah, cet épisode de la chair de poule. Et qu'à faire? Il pleut
des cordes. On va être trempés si on passe la journée dehors. Au moins, on se fera pas cogner. On n'a jamais tué personne, un peu de pluie. Allez, viens, on va jouer. T'es même pas capable de me suivre. Donc on va jouer John Shepard, là. On fiche qu'il nous ait mis dehors. Collé comme ça, je préfère encore être sous la pluie. John a raison. On va pas rester toute la journée devant la porte. Autant aller jouer. Ah, cette partie, ouais, ça fait frissonner. Hein. What the... La caméra qui bug. Ça va, on joue. On va jouer. On s'amuse. C'est rigolo. C'est rigolo la pluie. On joue dehors, on fait du... Parcours. Le chantier est abandonné. Ça fait un super terrain de jeu. Ouais. Si tu veux, c'est un terrain de jeu, ouais. C'est quand même mieux le terrain de jeu de Ronald McDonald. Mais ça y ressemble. Il n'y a juste pas la piscine à boulot. Youhou! Pas la peine de gueuler. John est passé par ce gros tuyau. Oula. Aïe! Merde. Qu'est-ce qu'on ricane? C'est un jeu ou une épreuve d'impunité? Sauf... Les enfants, vous devez rentrer dans le chantier, récupérer le riz et le placer dans les tuyaux. Une fois que ce sera fait, vous retournez au rivage. What? Sauf que, nouvelle règle, vous devez prendre Philippe et l'immerger sous l'eau. Mais arrête de gueuler! C'est pas vrai! T'es vraiment trop lent! Non, mais il est pas sympa! Tu viens? John va trop vite! Je veux jamais m'attendre! On va m'attendre, Johnny! Qu'est-ce que tu fais? Tu rappliques ou quoi? Non, mais il est chiant! Je rate mes QT, oh là là. Ça c'est un peu dangereux, non? Je crois que je rate les QTE, heureusement ils sont pas trop compliqués là. Anto, il fait le moins le malin dans sa tombe, t'es en retard. Je crois que John est descendu par les escaliers. Et un bat, voilà, c'est dit, Albat. Le bâtard. Je me suis perdu, c'est pas vrai, c'est l'Urbex. Ouais, le tuyau. C'est un jeu, on se permet. Oh, bah oui, si on peut. Si c'est trop dur pour toi, t'as qu'à abandonner. N'importe quoi. Tu vas voir si c'est trop dur pour moi. C'est vrai que ça commence à être pas simple. Hein. Ça commence à être compliqué. Là, ça va. Pour l'instant. Ça va. J'ai connu pire comme QTE. Mais en vrai, c'est vrai, t'as raison. Vu qu'on joue une scène du passé, on sait que John Shepard est mort. Donc on se doute. On se doute un petit peu de ce qui va se passer. On sait que John Shepard va se faire enterrer à l'âge de 10 ans.
Ça va, la planche, elle est large comme ça. Même Théora, il le fait pas. Et voilà, j'ai réussi. Allez, à ton tour maintenant. C'est vraiment du parcours, hein. Ah merde. On va se planter là. Yes. C'est le moment du saut de la mort. Tu crois pas si bien dire. Je vais pas me dégonfler. Si mon frère l'a fait, je peux le faire aussi. Il a sauté où? N'aime pas peur. Au fastoche, son parcours. Je sais même pas où c'est qu'il a sauté. Mince, il est fou. On va se casser la figure avec ses bêtises. Mais il est où? C'est là-bas qu'il a sauté? Ah oui. J'ai un peu la frousse. Le saut de la mort. Ça va. Ouais, on a gagné. Va jouer à cache-cache. Tu comptes jusqu'à 20. Essaie de me retrouver, ok? 1, 2, on va essayer de compter. Hein. 3, on compte ensemble. 4, 5, je cheat. 9, 13, 17, 20. Un peu cheaté. Quoi? Il dit au secours! Il est là, nos dieux! John! Ok, coincé! Attends! Je vais te tirer de là! Ouais, ouais, entouré, ouais, ouais, ouais. Mais on va bientôt avoir le reveal, là, je pense. Je reviens. Je reviens tout de suite. Et le pauvre gamin n'a jamais trouvé d'aide. Et son frère est mort noyé dans ce conduit rempli d'eau de pluie. Et le frère de John, qu'est-ce qu'il est devenu? On m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents. Il a été adopté, il me semble. Il faut que je rentre, maintenant. Je crois qu'un orage se prépare. Ça alors, quelle histoire horrible! John Shepard est mort noyé dans de l'eau de pluie en tenant la main de son frère. Vous pensez que... son frère serait le tueur aux origamis? Venez, retournons la voiture. Décidément, cette fille est surprenante. On n'a plus rien à faire ici. Je ferais mieux d'y aller. Ce gamin est mort il y a 30 ans. Qui peut encore entretenir la tombe après tout ce temps? On n'a plus rien à faire ici. Je vous attends, Scott! Ah, je me suis paumé, moi. Ouais, l'histoire est horrible, hein, l'histoire est terrible. Hein.
Le gamin est mort. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme là-bas. Eh bien. C'est Charles Kramer. Le père de Gordy? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il pose des fleurs sur la tombe de John Shepard. Oh, Kramer! Il est totalement cramé. Le Blue Lagoon. Ambiance, ambiance, ambiance. Oui, à tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est à ce type que le doc a loué l'appartement de Marble Street. Et si c'était lui, le tueur. J'espère que la musique n'est pas copyright. Alors faut savoir que du coup Madison et Norman ont la même piste puisque Mad Jack a évoqué le nom du Blue Lagoon. Le barman. Il pourra me dire où se trouve quoi. Bah il est où le barman, c'est bien mignon mais. Le barman. Il pourra me dire où se trouve quoi. Là y'a un mec là. Ça c'est copyright, on sait jamais hein. Je sais plus où c'est qu'il est ce Paco là. Ah oui, je sais ce qu'il faut faire. Il est où Paco? Je me souviens plus. Je suis perdu. Il est là-bas. On dirait que Paco a pris. Désolé, c'est réservé aux invités. Il va falloir que je change de stratégie si je veux parler à Paco. Eh ouais, Anto, je sais. Il faut que je trouve un endroit pour me changer. Sauf que bah on a failli, il faut pas faire ban la chaîne. Hein. La dernière fois, quand Madison prend sa douche et qu'elle se met toute nue et que tout est montré à l'écran, c'est un coup se faire ban la chaîne. Hein. Donc on va faire gaffe. Il y aura une limite. Allez, on va essayer d'attirer l'attention de Paco. Le moment est venu de jouer la bimbo. Ouais, ça change pas grand chose en fait. Par contre, je sais un truc qui peut changer et qui peut attirer Paco. C'est ça. Voilà, c'est dit. Ah, c'est le jeu, hein. J'ai un beau jeu, hein. Et tac! On a oublié un dernier petit détail.
Ah bah là, je vais me louper, c'est sûr. Tac. Allez, let's go. Voilà, on a la tête comme une pastèque avec cette musique là. J'ai rien sorti la vidéo, c'est celle-là. C'est une grotte et la jet set vient pour s'amuser. Pas vraiment le genre d'endroit où je traîne d'habitude. Bon bah on va danser hein. Attention les QTE, ça va être compliqué. Bah ouais Paco, ouais ouais tu traces l'œil, c'est ça, allez vas-y. Merde. J'ai loupé ma danse. Il est dégueulasse, Paco. Il est dégueulasse. C'est elle qui propose en plus. Bien sûr, poupée. Ce type est franchement répugnant. Si ce Paco est un copain du doc, je ferais bien de me méfier. Il n'y a plus qu'à le suivre jusqu'à son bureau. Ah, bureau. Tout va bien se passer. J'ai un plan. Je sais exactement ce que je fais. Ouais non, depuis le début tu sais pas du tout ce que tu fais, Madison. J'ai les jambes qui tremblent. C'est pas le moment de me dégonfler. On se dégonfle. Il n'y a plus qu'à le suivre jusqu'à son bureau. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Y'a quoi dans le sac ? Je rentre, je lui fais cracher le morceau et je me tire vite fait avant qu'il ameute ses gardes. Tout va bien se passer. Allez. On a une arme. Bien. Sois la bienvenue dans mon petit royaume. À la musique, tellement cliché. Besoin, ma jolie. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Ouais. Déshabille-toi. Enlève tout ça, bébé. On
pourrait peut-être parler d'abord. Crois-moi, je t'ai pas fait monter pour ma beauté, chérie, loin de là. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Alors, je vais peut-être devoir couper l'image. Parce que si je dois la déshabiller entièrement, je pourrais pas vous montrer ça. Juste histoire de briser la glace. En ce qui me concerne, la glace est déjà brisée. Allez, vas-y, bouge-moi tout ça. Allez là. En fait, je crois qu'on s'est mal compris. On s'est mal compris. Je vais y aller. Je suis désolée. Une prochaine fois peut-être. Ah. Plutôt que c'est toi qui as mal compris, chérie. J'aime pas perdre mon temps. Alors maintenant, fous à poil pour que je te refroidis. Tu m'as bien compris. Ok. Ouais. Bon bah là on va couper hein. Là je coupe hein. Je peux pas vous montrer ça, donc vous imaginez, je crois qu'on est ok. Alors on déboutonne tout doucement. Ah ouais, c'est la chaîne c'est une chaîne tout public ici hein, ça y est. Ah ouais non, là c'est trop là. S'il me touche, je vomis. Je peux pas vous montrer ça. Une idée. Il y a forcément un moyen de me sortir de là. Il me braque avec son gun. Il attend. Donc on continue. Hein. On a ouvert la petite chemise. Voilà, donc là on voit quasiment tout. Je pourrais lui sauter dessus et essayer de l'assommer. Pas la peine d'y penser. Il est plus costaud que moi. J'ai aucune chance. La lampe. Si seulement je pouvais trouver un moyen de l'attraper. Derrière, il y a une lampe. On va essayer de l'assommer avec ça. On va imaginer la musique. Hein. Déjà, ça donne le thème. J'arrive pas à... Il faut faire ça. On se rapprochait de la lampe. On va danser un petit peu. Voilà, on a détourné son attention. Ah, si t'arrives sur le live maintenant, j'avoue, tu comprends pas. C'est pas ce que vous croyez, on est sur Heavy Rain. Tini, bébé, je crois que tu commences vraiment à me plaire. J'ai pris la lampe, et tac. J'ai toujours su que je faisais de l'effet. Je l'ai assommé. Mais pas à ce point-là. Bon, maintenant il faut le réveiller. Je me suis réveillé, c'est bon. Oh là 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 là. Désolé, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tu as travaillé, nom de Dieu. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Si t'essaies de crier, je te descends. Pigé. Merde. Qu'est-ce que tu me veux? Tu loues un appartement sur Marble Street. Je veux savoir pourquoi. Un appartement? Je vois pas du tout de quoi tu parles. T'as pas le crâne de Colin Bastos. Dommage, parce que quand je t'aurai retrouvé, moi j'hésiterai pas. Ah ouais? Ah, espèce de salope, je vais te crever! Paco! Est-ce que tout va bien? Oui. Où est Paco? Désolé, il ne peut pas vraiment répondre là. Il est... bâillonné et attaché sur le lit. Oh, je vois.
Ah, pas tout à fait tort. Hein. Sauf que c'est pas sur le lit. Ah! Si tu tiens vraiment à tes couilles, Paco, tu ferais mieux de cracher le morceau. Ça passe pas sur YouTube, ça. Allez, on agrippe. Qu'est-ce que tu fais? On prend le paquet. Arrête! J'arrêterai quand tu m'auras dit ce que je veux savoir. Et on va aller un peu plus loin. Tac. J'ai jamais foutu les pieds dans cette porte. J'ai filé les clés à un type. Il cherchait un endroit. Il avait de quoi payer. Et tac. Comment il s'appelle ce type? Je sais plus, je le jure. C'est des méthodes de malade là. J'ai 4 touches appuyées, ça doit faire mal. Shepard. Il s'appelle John Shepard. C'est tout ce que je sais, je le jure. Oh. Eh ben voilà, c'était pas si difficile. Bon, désolé de ne pas terminer cette charmante soirée avec toi. Mais il faut que j'y aille. Un de ces jours, mon grand. John Shepard, tout est lié. Bon, eh ben je m'en suis pas si mal tiré finalement. Ah, t'as quand même foutu à moitié à poil, mais... Il est temps que je dégage d'ici. Je commence à avoir un sale mal de crâne. Alors, tac. Il réfléchira à deux fois avant de refaire monter une fille dans son bureau. Plutôt efficace, ma méthode pour faire parler les hommes. Ouais. Le nom qu'il m'a donné, John Shepard. Est-ce que ça pourrait être le nom du tueur? Je vais vite être fixé. C'est un peu tout le temps la même musique qu'il y a ici. Ouais, je me casse. Mais lâche-moi, nom de Dieu. On va aller voir Paco. Une espèce de furie qui est venue me poser des questions sur l'appartement Marble Street. Parce que tu y fous exactement, je ne veux pas savoir. Et ça commence à attirer les flics des histoires. Écoute, je sais que tu vas éviter le nom. Mais cette salope a failli me tuer. Non, Paco! Laissez-moi rentrer! Je pense qu'on va jamais pouvoir interroger Paco à temps. Parce que le tueur était là dans la pièce. Paco? Eh oh!
Ah! Non! Flingue-le, nom de Dieu! Tiens! Il faut pas mourir! Oh la vache! Le katana! C'est trop dur. On peut mourir, on peut mourir. Réussir à le désarmer de son truc. Oh, voilà. Non, les poissons! Waouh! D'accord. Je me suis fait dérouiller par le tueur. C'est le fameux John Shepard, soi-disant mort à l'âge de 10 ans. Merde, je suis dans une impasse. Tout ça ne m'a mené à rien. À ce rythme-là, je vais finir en pièces détachées. Cet enfoiré m'a fracassé les cervicales. Il aurait pu me tuer. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? J'avoue. La poche du tueur que j'ai déchirée pendant qu'on s'est battu. Deux reçus de la même station-service. Intéressant. On tue un suspect, on essaie de me supprimer. J'espère que ça veut dire que je suis sur la bonne piste. Paco connaissait l'identité du tueur. C'est pour ça qu'on l'a tué. Harry, commentaire. Tiens, tiens. On dirait que je suis pas le seul à suivre la piste du tueur. Madison Page, une journaliste. Intéressant. Le tueur a peut-être laissé des indices dans le bureau. Eh ben, Paco n'était pas exactement un saint. Son casier judiciaire ressemble à un annuaire téléphonique. On dirait que le tueur cherchait quelque chose. Il faisait sombre et tout est allé très vite. J'ai pas eu le temps de voir son visage. Une balle en pleine tête. Il est mort sur le coup. Une cartouche? Non. Encore Madison Page. Elle a peut-être vu quelque chose? Décidément, j'arrête pas de dérouiller en ce moment.
que j'ai vu tous les indices. Je commence à trembler et à avoir des sueurs froides. Il vaut mieux que je me dépêche de retourner à l'hôtel. Est-ce que j'ai vraiment chopé tous les indices? Ah bah non, il y a du pollen d'orchidée là. Des phéromones d'orchidée. L'homme était bien le tueur aux origamis. Ça c'est pas l'indice le plus important là. Il faut que je rentre. Je dois réfléchir à tout ça. La lampe. Je pense que je vais m'arrêter après ce chapitre. Puisque normalement, d'ici la prochaine, on aura fini. On approche de la fin du jeu, donc prochaine session. Encore 2 ou 3 heures de jeu, on devrait avoir terminé. Tout s'accélère. Où est la sortie? Par là. On essaie de se faufiler. Et ouais, Jeff Ren à Séville, quasiment officiel. Ah, je vais m'arrêter là. Faut aller faire à manger et tout ça. Cet après-midi, je vais tourner des vidéos pour la chaîne YouTube. Allez, ça arrête là. Ethan au fond du trou, après avoir tué et réussi la quatrième épreuve. J'espère que cette petite session vous aura plu. On a bien avancé, on connaît notamment l'identité de John Shepard, qui est mort sur un chantier noyé dans de l'eau de pluie, et le tueur aux origami utilise le pseudo de John Shepard pour noyer ses victimes dans l'eau de pluie. Donc tout a l'air lié. On va essayer d'en savoir un petit peu plus la prochaine fois. En tout cas, avec Norman Jayden, on a quand même pas mal de pistes, ainsi qu'avec Madison. Et du côté d'Ethan, on a quasiment l'adresse complète. Du côté de Scott aussi, ça se rapproche beaucoup avec Lauren, qui a récolté beaucoup d'indices. Donc voilà, c'était le live du matin. On se retrouve cet après-midi, il y aura une vidéo sur la chaîne YouTube. Demain soir, il y aura du Wreckfest. Jeudi, il y aura du Crusader King. Vendredi après-midi, le derby. Dimanche soir, le club pro. Samedi, il y aura peut-être un live. Mais j'ai pas encore décidé peut-être ce qu'on allait faire. Et ben voilà, comme je vous disais, cet après-midi, je vais tourner Oxford. On va avancer notre carrière Oxford. Et je vais essayer de faire d'autres vidéos rétro gaming sur des vieux PES, des vieux FIFA. FIFA Street aussi, ça serait bien que je fasse ça. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des idées de noms, à me donner des petites idées sur des prochains jeux à tester. Et en tout cas, moi, je me régale sur Heavy Rain et je vous dis une bonne journée. À très bientôt. Salut à tous. Tantant.